Alors déjà, vous vous rappelez que je n'ai pas participé aux européennes puisque j'ai donné aucune consigne de vote et j'attendais de voir en fait. Et d'ailleurs, je suis encore un peu naïf parce que je pensais que les gilets jaunes, 6 mois quand même de contestation dans la rue, auraient eu un effet sur les européennes. Alors le premier constat, c'est que ça n'a eu aucun effet. Première remarque, qui veut bien dire que la politique est ailleurs maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il n'y a pas eu d'influence des gilets jaunes sur les européennes, c'est que les gilets jaunes, ça correspond aux gens qui ne votent plus. Et je rappelle que les gens qui sont sortis de la mascarade électorale, si on additionne les non-inscrits, les non-votants, les votes blancs, etc., ça fait 60% du peuple français, quoi. Hein. Donc, effectivement, le vote des gilets jaunes, c'est l'abstention, c'est clair. Après, on reste dans un jeu de politique politicienne. En plus, au niveau des européennes, je crois que Lassalle, que j'aime bien, il a bien dit que ça servait à rien. Je n'avais pas très envie de me présenter non plus à ces élections européennes qui sont une course inutile, stupide, sans aucun sens. Il ne faut pas oublier que ça ne sert à rien, les européennes. C'est un parlement qui ne sert à rien, où les gens sont élus très bien payés pour donner l'illusion que l'Europe est une structure supranationale démocratique. Or, c'est une structure supranationale, mais elle n'est pas démocratique. Donc, en fait, les politiques, les élus européens sont payés très cher pour rien faire. Mais en plus, on voit que c'est à double tranchant parce que ça donne beaucoup de pognon aux partis politiques. Mais quand on veut punir ou menacer les partis politiques. Rappelez-vous le Front National devenu Rassemblement National, et rappelez-vous Mélenchon au moment de sa tentation souverainiste, c'est qu'à un moment donné, comme il n'y a pas de règles fixes, on leur dit, vous avez mal attribué l'argent, vous avez surfacturé, c'est les deux voies. Hein. Et d'un seul coup, on leur demande de rendre le pognon. Donc c'est une cage dorée, c'est-à-dire que vous êtes un élu qui ne sert à rien, on vous donne beaucoup d'argent, et c'est de l'argent, on va dire, du pouvoir, hein, du pouvoir qui est au-dessus, et cet argent, on peut vous le reprendre si on décide de vous sortir du jeu. Selon ce document, Marine Le Pen doit rembourser près de 340 000 euros à Bruxelles. Chaque mois, son salaire est amputé de moitié. Elle n'est pas la seule à se voir réclamer les revenus de ses assistants. Bruno Bollnisch doit 275 000 euros. Pour Jean-Marie Le Pen, accompagné ce jour-là de son majordome et assistant parlementaire Gérald Girin, c'est 320 000 euros. Est-ce que vous trouvez normal de payer certains postes au Front National à travers des emplois d'assistants parlementaires? Il y a 750 députés ici. Oui. Comment se fait-il qu'on ne s'occupe que de 3 ou 4 qui sont des eurosceptiques? Donc vraiment, sur les européennes, il y a ces mascarades et pièges. Hein, voilà. Donc en gros, ce que vous me dites, c'est que ces élections-là qui arrivent dans quelques jours, ça sert un peu à rien, quoi. Strictement à rien. Oui, alors on va quand même faire un commentaire, hein, puisque c'est, on voit bien les forces en présence. Hein, les Républicains, c'est ce qui reste, comment dirais-je, du gaullisme dégaullisé à un tel point que c'est en train de disparaître. C'est comme en fait, le PC sans le communisme, le gaullisme sans le gaullisme, le socialisme sans le socialisme. On voit bien qu'on est au bout du bout de tout ce qui avait, comment dirais-je, fait la politique politicienne de la, on va dire, 5e République et même de l'après-guerre. Hein. On a une droite officielle qui est à 8%, je crois. On a une gauche officielle, enfin ce qui reste du PS, qui est à 6% ou un truc comme ça. Et on a effectivement bon, des effondrements. Le plus triste, c'est l'effondrement de Mélenchon. Parce que Mélenchon avait un très fort potentiel, on l'a vu au moment des présidentielles, et il incarnait le souverainisme de gauche. C'est-à-dire qu'on voyait le parallèle avec la manière dont la politique a basculé en Italie, avec la Liga, souverainisme de droite, mouvement 5 étoiles, libertaire, on va dire souverainisme de gauche, qui avait réussi à passer une alliance, on l'a dit maintes fois. Et on voyait bien que Mélenchon, qui aurait pu être au deuxième tour de la présidentielle, hein, ça s'est joué à très peu. Si Hamon avait joué le jeu, il y était. C'est-à-dire qu'on voit bien que Mélenchon, qui est tout sauf un imbécile, a bien compris qu'à un moment, il pouvait avoir un destin national en France s'il poussait un peu du côté souverainiste. Le problème, c'est que chaque fois qu'il a voulu aller vers le souverainisme de gauche, et donc devenir réellement dangereux pour le pouvoir profond, il s'est fait rappeler à l'ordre par les loges, donc il s'est fait menacer par son propre réseau qu'il avait poussé à dire oui à Maastricht et qu'il a toujours maintenu dans la fausse opposition. Hein. Et de l'autre côté, il a subi le même sort que le parti souverainiste officiel qui est le Front National, qui est la persécution par l'argent, hein, les comptes de campagne, avec un épisode qui l'a profondément marqué, puisqu'il a eu droit, je dirais, au même traitement que moi, d'une certaine manière, c'est-à-dire la police qui débarque le matin, le prend au saut du lit avec sa maîtresse, là, comment elle s'appelle, Chiri. Chikirou, là. Et derrière l'hystérie qui en a suivi. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre?
Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. La République, c'est moi. Il s'est pris pour, je sais pas quoi, un révolutionnaire de la grande époque de Robespierre. Et d'ailleurs, ça a inquiété beaucoup son électorat, qui est un électorat de gauche, pour qui la virilité est synonyme de fascisme. Donc en fait, il est un peu coincé même par sa dimension un tout petit peu virile, un tout petit peu authentique, je dirais. Attendez, pour l'instant, moi je suis sur la sellette, si vous voulez bien vous en rendre compte. Moi j'ai 5 à faire, d'accord ? Ah ben c'est, tout le monde comprend maintenant qu'on peut péter les plombs et que je fais pour. Non mais d'accord, après on me dit ouais, t'as qu'à rester calme, ben vas-y, essaye. Et la punition, ça a été qu'on l'a obligé à s'éloigner du souverainisme, c'est-à-dire du sérieux. Il est retombé dans le gauchisme. Les experts du GIEC nous disent, c'est-à-dire les spécialistes du climat, on a 12 ans pour tout changer si on ne veut pas aller à la catastrophe climatique. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Rien. Quelle est votre proposition sur, sur ce malaise social ? Parce que l'écologie, on va en parler, hein ? Non, mais on va en parler peut-être. Mais il n'y a pas le malaise social et l'écologie, c'est la même chose. Et il a fait 6%. Alors, il a fait 6% parce qu'on l'a obligé par la pression à renoncer à sa ligne souverainiste, à ce que j'appelais sa tentation d'oriotiste, et résultat des courses, comme il fait 6%, il est contesté, et on voit carrément que c'est Clémentine Autain qui veut le foutre dehors, ce qui est horrible pour lui. C'est en bilan sans concession qu'adressait Clémentine Autain de son mouvement La France Insoumise. Au lendemain du score désastreux du parti aux élections européennes, la députée de Seine-Saint-Denis a décidé de tout bousculer. Bah, la logique de clash, c'est de penser qu'avec le bruit et la fureur, on va parler davantage au monde populaire. Et c'est aussi s'appuyer sur le ressentiment davantage que sur l'espérance. Parce que c'est horrible à tous les niveaux, politiques, viril, parce que Autain, je l'ai connue, elle est d'une bêtise et d'une malhonnêteté qui confine à l'absolu. Hein. On voit vraiment à quoi sert le féminisme en politique. Hein. En 2002, précisément, 26% des ouvriers qui ont voté pour le Front National. 26, c'est 23. Le premier parti ouvrier de France après l'abstention. Le premier parti ouvrier de France, c'est l'abstention. Mais c'est, je viens de le dire, ma petite jeune fille, je l'ai écrit 20 fois. D'abord, mademoiselle et ma petite jeune fille, on va arrêter sur le plateau. Et la deuxième chose, c'est que moi, je suis au moins d'accord avec ce monsieur qui a l'honnêteté de ses positions et qui a appelé d'ailleurs à voter Sarkozy. Je veux juste terminer. La dernière fois, il est moins cohérent, lui. Je sais qu'il est. Le premier parti. Vous êtes dans le gloubi glouba. C'est l'abstention, et ce que vous savez donc aussi très bien, c'est que 26% des cadres et des professions libérales ont voté pour le Front National. Donc l'idée que ce serait uniquement... Mais c'est pas le peuple, les cadres et les professions libérales ? Uniquement vous savez une définition sérieuse du peuple ? Ceux qui ne sont pas... Ceux qui peuple, sont c'est prolétariat plus classe moyenne. Donc Mélenchon s'est effondré aux européennes. Et ce qui veut bien dire que quand il sort du souverainisme de gauche, il retombe dans le gauchisme, et ben il n'intéresse personne. Par contre, il a moins d'ennuis. Enfin, il a moins d'ennuis directs, mais il dégage. Alors là, je sais qu'aujourd'hui, il a porté un gilet jaune, par exemple. Donc il essaye de revenir sur la ligne sociale parce que ça lui fait mal, quoi. Très bonne remarque. Mélenchon avait gardé une certaine cohérence. Il a osé, c'est le seul, critiquer le rôle inexplicable et insupportable du CRIF. Je suis hostile à tous les communautarismes. Celui du CRIF est particulièrement agressif parce que non seulement il a des prétentions communautaristes que je ne supporte pas, que ce soit pour le CRIF ou n'importe quelle autre communauté. Alors, mais en plus, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Tu parles Conseil représentatif de quoi ? De rien du tout et des institutions qui n'existent pas. Il a bien fait remarquer, puisque c'est un vrai républicain quand même, il a la culture, que la République avait dissous les corps intermédiaires et que dans la République, rien ne doit exister entre l'individu citoyen et l'État. Les Français juifs ont des représentants politiques, leurs députés et leurs partis. Aucune communauté n'a le droit de prétendre qu'elle représente politiquement une partie de la population. Ce qui veut dire que le CRIF n'existe pas, n'a pas de réalité constitutionnelle et institutionnelle, hein, puisque c'est une organisation communautaire qui prétend parler au nom d'une communauté alors que les communautés n'existent pas dans la République. Donc le seul qui avait dit ça, c'est Mélenchon. Il avait dit le CRIF qui donne des ordres à tout le monde avec le rayon paralysant de l'antisémitisme. C'est une association communautaire qui en plus manie un rayon paralysant. Dès que quelqu'un ose dire quelque chose qui lui plaît pas, pouf, vous voilà repeint en antisémite et on dit vous n'êtes pas invité au dîner. Mais je m'en fous, moi j'ai pas envie d'y aller. Il avait montré du doigt Khalifa. Ben, je pense que ça lui est revenu dans la gueule là. Hein. Il a compris qu'effectivement, d'ailleurs, ça serait bien qu'il en tire des conclusions. La République est une escroquerie. Là, il pourrait trouver des citations de Céline. C'est le masque d'un autre pouvoir. Et il faudrait qu'il a,
qu'il arrête de participer à cette mascarade, hein. Et d'ailleurs, c'est ce que, si et seulement s'il arrêtait de participer à cette mascarade, il pourrait avoir un vrai destin politique. Tant qu'il y participe, il est un faire-valoir, un figurant, un second rôle. Et je pense que, quelque part, ça l'agace. Il y a chez lui cette tentation d'oriotiste. Et aussi, c'était effectivement le dernier pro-palestinien. Eh bien, où est passée la communauté internationale pendant ce temps? Où est-elle passée pendant qu'était martyrisée la population de Gaza? C'est le dernier à gauche qui ose encore être pro-palestinien, parce que tous les autres sont passés à la soumission sioniste, hein, c'est les socialo-sionistes, et puis en face, on a le national-sionisme. Donc, si on regardait tout l'échiquier politique, le seul pro-palestinien, c'était Mélenchon. Et comme par hasard, il se fait péter la gueule. En réalité, Macron a fait un très bon score. Pour un mec qui est au pouvoir, avec le résultat qu'il a en ce moment, c'est un score, je dirais, miraculeux. Et là, il faut comprendre quel est le parti, en fait, de Macron. Le parti de Macron, c'est le parti des Versaillais. C'est Thiers, c'est Clémenceau, dont il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que la bourgeoisie traditionnelle, un peu la bourgeoisie de droite, qui est sur l'élégance, on va dire, quelque part, qui est sur les signes bourgeois, n'aimait pas Macron parce que c'est le type qui a épousé sa mère et qu'on soupçonne d'être quand même gay, ce qui fait mauvais genre parce que ça se voit, et qui se frotte contre des nègres torse nu quand il va dans nos ex-colonies. Et donc la bourgeoisie, d'une certaine manière, la vraie bourgeoisie de droite, celle du 7e arrondissement, on va dire, le méprisait. Mais là, qu'est-ce qu'elle s'est dit avec les gilets jaunes? Elle s'est dit, bon, peut-être qu'il est pédé, qu'il a épousé sa mère, peut-être qu'il se frotte quand il voit des nègres, mais quand il s'agit tirer sur les ouvriers, on peut compter sur lui. Que les gilets jaunes aient des revendications qui doivent être écoutées, je suis d'accord. Mais maintenant, il faut arrêter cette chienlit. En fait, il n'y a pas d'autre terme. Et vous en pensez quoi d'Emmanuel Macron, du coup? Il m'a effrayé en avril, parce que c'était Jésus qui venait sur l'eau. Et avec Blanquer, avec d'autres gens compétents qu'il a mis en place, je me suis rendu compte qu'il était... Il présente différentes formes, en fin de compte, Macron. Il croit qu'il est brillant, il est beaucoup moins éloigné du peuple que les gens veulent le prétendre, mais il a surestimé la culture de base fondamentale de ce fameux peuple qui réagit sincèrement avec ce dont il dispose, bien peu. Et c'est pour ça qu'il a... Il a récupéré, grâce aux gilets jaunes, la droite, la vraie droite, qui d'un seul coup... Parce que le critère sérieux, c'est ça. Le critère sérieux de la droite, c'est la trouille qui a toujours eu le bourgeois pour l'ouvrier qui a compris l'escroquerie des droits de l'homme et des acquis de la Révolution française. Pour ça, je renvoie aux écrits de Marion Sigaud. Hein. Et ça, c'est quand même l'ironie hyper triste de l'histoire, c'est que finalement, la campagne préélectorale de Macron n'a pas été faite par l'oiseau, là, qui était quand même un vieux machin déplumé totalement inexistant. Elle a été faite par BFM, et je dirais même par Vincent Lapierre, tous ceux qui ont fait le focus sur les casseurs gilets jaunes en centre-ville, qui d'ailleurs faisaient oublier, je le répète, les adultes qui étaient sur les ronds-points pour montrer effectivement la souffrance de la France de Guilly. Je fais remarquer d'ailleurs que Vincent Lapierre n'est jamais allé sur les ronds-points passer 24 heures avec ceux qui tenaient les ronds-points, etc. Il a toujours participé au cirque de valoriser les gilets jaunes qui sont les branleurs du samedi après-midi, d'ailleurs comme lui, puisqu'il il travaillait qu'une demi-journée par semaine, hein, les branleurs ados du samedi après-midi. Et c'était du BFM, en fait, hein, c'était la même chose. Voilà. Donc, le gagnant, finalement, des élections, c'est Macron. Alors, évidemment, Marine Le Pen aussi joue toujours son rôle de sparring partner, hein, de machine à perdre. Elle a fait un score qui est très faible par rapport au contexte. C'est-à-dire qu'on constate systématiquement que malgré l'aggravation de la crise depuis 1985, le Front National, ou le Rassemblement National, ne progresse pas. Il progresse très peu, je veux dire, puisque là, aujourd'hui, s'il y avait un deuxième tour des présidentielles demain, on est exactement dans la même configuration. Souverainisme, 35%. Union Européenne, c'est-à-dire Macron, Marine, 65-35. Avec toujours l'antifascisme pour faire barrière. Et n'oublions pas l'antifascisme que Marine Le Pen valide elle-même intégralement. Puisque chaque fois que quelqu'un se fait choper chez elle d'être un dissident sur les critères sérieux, elle le vire et elle fait son mea culpa. Jean-François Jalques ne sera resté président du Front National que 3 jours. Cet historique du parti a officiellement refusé d'assurer l'intérim. Il est remplacé par un très proche de Marine Le Pen, le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat. Une démission express de Jean-François Jalques à cause de propos négationnistes qu'aurait tenu cet historique du FN en 2000. Une phrase sur le Zyklon B. Vous le savez, j'ai rompu avec mon père pour des propos qui étaient inadmissibles. Que les choses soient très claires. J'aborde ces thèses.
Je n'admets pas qu'on puisse les défendre, je l'ai toujours dit. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque fois qu'elle dédiabolise, elle valide l'antifascisme. Or l'antifascisme, c'est ce qui fait tenir le système. On le verra bien quand on parlera de Chouard tout à l'heure. Hein. Les vigilants de l'antifascisme sont ceux qui empêchent le saut qualitatif qui permettrait l'union des opposants de la vraie droite et de la vraie gauche. Hein. Et on voit bien que les vigilants sont là pour empêcher cette union sacrée et ce saut qualitatif. Et quelque part, Marine Le Pen y participe aussi, avec Mélenchon d'ailleurs, puisqu'ils auraient dû s'associer. S'ils s'étaient associés, ils auraient déjà gagné. Or, ils s'interdisent de le faire. Bon, encore plus à gauche qu'à droite, il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire. Mais comme elle valide en fait l'antifascisme, puisque dès qu'il y a une trace d'ancien réviso chez elle, elle le vire, etc. De toute façon, son message, c'est de dire, voilà, je suis le résidu du fascisme, je critique moi-même le fascisme, donc je suis là, quelque part, pour ne jamais arriver au pouvoir, ou alors si j'arrive au pouvoir, il aura fallu que je change de peau intégralement. C'est ce que me disait Patrick Buisson à l'époque où on discutait. Il me disait, de toute façon, le jour où le Front National sera au pouvoir, le président et le trésorier seront juifs. Citation de Patrick Buisson, qui est quand même tout sauf un con et un mec qui ne maîtrise pas la politique. Voilà, donc en réalité, on est dans la même, je ne sais pas qui on a loupé là, mais on est dans la même configuration. Hein. Les européennes prouvent que rien n'a changé, et si je veux reprendre ma phrase, que le changement ne passera pas par les urnes, mais par les burnes. Hein. Et là, c'est ni Marion Maréchal, ni Marine, excusez-moi, toutes les demi-fiottes qui, pour faire de la politique politicienne, sont passées par tous les stages de formation qui sont des stages de soumission. Faut pas oublier. Hein. Un vrai politique sérieux qui voudrait changer les choses sérieusement ne serait pas là. Et d'ailleurs, on pourra parler de Chouard tout à l'heure. Celui qui est là par accident, on voit très bien comment il se fait sortir et sur quoi il se fait sortir. Hein. Donc tout est en place, quoi. Hein. Et donc c'était quoi là ? Et donc à Célineau, et j'arrive pas à me souvenir de lui. Là, il a bénéficié pour la première fois dans cette campagne européenne d'une grande visibilité. Il a été invité, il y avait des affiches à Célineau partout, et je reconnais que le seul combat sérieux à mener au niveau des européennes, c'est le combat anti-européen, donc c'est le Frexit. Le Frexit que nous proposons, c'est sortir de l'Union européenne. Or, les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, depuis le traité d'Amsterdam, ont dévolu à la Commission européenne toute la politique migratoire. Donc nous, ce que nous disons, c'est que les débats sur les questions migratoires, en fait, sont assez vains en France sur ce sujet. Et nous, dans notre programme, nous proposons aux Français de mettre de côté sagement la question migratoire pour récupérer tous ensemble notre souveraineté nationale. Ensuite, d'avoir un grand débat national sur les questions d'immigration, dans lequel on demandera d'ailleurs au passage est-ce que l'on est pour ou contre rester dans Schengen. Mais alors il y a un vrai problème, c'est que le type, malgré tout ça, légitimité de son discours sur le Frexit, l'exemple anglais qui a quand même cartonné aux européennes, sa visibilité, c'est de coup-ci dans les médias, le fait qu'il a aussi maintenant une historicité, il a fait pratiquement deux fois moins bien que l'affiche avec le chien et le chat. Donc là, ça revient quand même à ce que je dis depuis toujours. Asselineau est un bon conférencier. Il est très bon pour vous expliquer l'escroquerie de l'Union européenne. Mais ce n'est pas un politique, ce n'est pas un leader politique. Les gens ne le ressentent pas comme ça. Les gens ne votent pas pour lui. Et là, voilà, il faut qu'il en arrive à ma conclusion. Fais ce que tu fais, mais arrête de te prendre pour le nouveau De Gaulle. Et là, moi, je pense qu'il y a une remarque à faire. C'est que Asselineau est un énarque avec un physique à la Raymond Barre, hein, on sent qu'il pense, à mon avis, il passe plus de temps à table qu'à la salle de gym, parce qu'on le verrait pas vraiment passer le pont d'Arcole avec le drapeau. Et je pense aujourd'hui que dans l'inconscient des gens, ce qu'ils peuvent se dire, c'est que c'est pas un type qui a le même physique et le même CV que ceux qui sont au pouvoir qui va changer quelque chose. Là, il y a vraiment quelque chose, je dirais, d'anthropologique, hein, et de physique, je vais le dire. Il a pas le physique qu'il faut, il a pas la personnalité qu'il faut. Aujourd'hui, pour changer radicalement les choses, je pense qu'il faut quelqu'un qui soit radicalement différent, au niveau de son CV, au niveau de son physique, au niveau de son phrasé. Et Asselineau ressemble à tous les autres. Il se veut rassembleur et anti-système. Pourtant, la carrière de François Asselineau est des plus classiques pour un responsable politique. Diplômé d'HEC et de l'ENA, il rejoint l'inspection des finances en 1985 et mène une carrière de haut fonctionnaire. Il travaille aux côtés de Gérard Longuet, Françoise de Panafieux et Charles Pasqua. En 2001, il est élu à Paris sur la liste de Jean Tibéri.
Et ce que je fais remarquer, moi, je le répète à chaque fois, la catégorie fondamentale de la politique, pour à la limite citer, ne pas citer que Carl Schmitt, c'est la violence et la peur. Faut pas oublier. Hein. Quand on prend le pouvoir sur l'armée et la police. Et on fait peur aux autres. Hein. N'oubliez pas que l'histoire de la politique, c'est l'histoire de la guerre. Hein. C'est pas le RIC, l'histoire de la politique. Hein. C'est pas demander gentiment au pouvoir de vous le rendre. C'est de se donner les moyens de le prendre, en général, par la violence ou la trouille. Et la trouille, c'est ce qui permet d'échapper à la violence, quelque part. C'est je vais te botter le cul, le mec le comprend, il s'écrase tout de suite. Hein. C'est comme quand Attali fait comme ça à un mec qui lui parle mal pendant une émission, quoi. Et d'autre part, en faisant ça et en s'endettant, de permettre à ce que les détenteurs de monnaie internationale à l'échelle mondiale arbitrent. Je suis d'accord avec Jacques Attali. Moi, j'avais aussi évoqué cette idée de la catastrophe des brouettes de dollars. C'est d'ailleurs, c'est un signe maçonnique, hein, ça. Voilà. Et en fait, il est évident qu'un type comme Asselineau, si à un moment donné, il devenait crédible politiquement ou qu'il allait un peu plus loin que de parler du Frexit en faisant venir le fils Enthoven, il y a des Enthoven partout, vous avez remarqué. Hein. C'est comme le jeu des sept familles. Hein. Dans la famille Enthoven, je demande le père, le cousin, le neveu, ils sont placés partout. Et l'autre, il en est encore, là, le monsieur Frexit, à faire venir à Enthoven comme arbitre d'un débat pour montrer patte blanche. En fait, il monte patte blanche, quoi. Aurélien, qui est un de nos jeunes adhérents, qui a 17 ans, et qui est un adhérent particulièrement dynamique et un blogueur à succès, puisqu'il a, vous avez combien, 35 000 abonnés, non ? 46 000 abonnés sur son blog. Il montre effectivement qu'il n'est pas dangereux et qu'il a parfaitement compris les rituels de soumission et à qui il fallait se soumettre, parce que c'est ça que ça démontre. Pourquoi faire venir un gamin qui s'appelle Enthoven ? Ça veut dire qu'il a compris les mêmes choses que moi, mais qu'au lieu de s'y opposer, il s'y soumet. Et s'il se soumet à ça, il se soumet à tout le reste. Il suffit de tirer sur le fil. Maintenant, bon, c'était dans les tout premiers mois. Comment expliquez-vous qu'Alain Soral Alain Soral, qui relaie vos conférences sur son site Égalité et Réconciliation, disent de vous que vous êtes un nationaliste, un vrai nationaliste et qui vous soutiendrait si vous étiez un bonhomme politique. Est-ce que vous dénoncez les propos d'Alain Soral, le positionnement d'Alain Soral, son antisémitisme? Est-ce que vous dénoncez tout cela? Oui, bien entendu, voilà, mais nous l'avons. Donc Asselineau retourne faire des conférences, on lui en organisera même s'il veut, on peut même l'éditer chez Contre-Culture. C'est là qu'il a commencé, hein, je rappelle, hein. Il a commencé chez nous. Hein. C'est la raison pour laquelle vous avez jugé utile de donner une conférence au local de Serge Ayoub, le skinhead connu pour donc les jeunesses nationalistes révolutionnaires, par exemple. Mais qu'il arrête de se prendre pour un leader politique et que Léa Sélinien arrête de me casser les couilles en me disant « Vous n'avez pas appelé à voter pour... » Genre, je serais sorti de l'histoire parce que j'aurais oublié d'appeler à voter pour le futur gagnant. Alors, au présidentiel, on me disait déjà qu'il gagnerait dès le premier tour. Lorsque j'étais dans l'équipe de campagne pendant la campagne présidentielle, beaucoup d'adhérents se disaient « Mais en fait, il sera élu au premier tour. » Parce qu'ils voyaient sur Facebook, sur YouTube, un nombre de vues extraordinaire. Les vues sur YouTube ne font pas des voix. C'est le béaba. Donc il faut que là, moi je sais pas si on dit que les Soraliens c'est une secte, mais je veux dire, là, il faut que la secte Asselineau redescende un peu. Et d'ailleurs, je crois, là, ils sont obligés de redescendre, quoi. Avec une candidature aussi mignonne, difficile de résister. Le parti animaliste a créé la surprise dimanche aux élections européennes en récoltant 2,4% des voix en France, la plus grosse percée parmi les petites listes. On a 2,4% de gens qui sont prêts à voter pour un parti strictement monothématique, un parti qui est strictement dédié aux autres animaux. Et je prie toutes celles et tous ceux qui ont confiance en moi-même et en l'Union populaire républicaine d'accepter nos excuses, de ne pas avoir réussi à faire mieux. Voilà. Oui, parce qu'après la politique politicienne avec les personnages, il y a quand même le problème des lignes de fond. Alors il faut rappeler qu'originellement, on est effectivement dans la France dans un système gauche-droite qui était fondé, par l'époque moderne, par l'opposition travail-capital. Hein. La droite, c'est le capital, la gauche, c'est le travail. Être de droite, c'est jouer plus
pour le capital que pour le travail, et de gauche s'est joué plus pour le travail que pour le capital. Donc on voit bien que c'est, comment dirais-je, c'est surdéterminé par les classes sociales, bourgeoisie du capital et prolétariat du travail. Et puis après, effectivement, il y a les classes moyennes, il y a tout ce qui est un peu intermédiaire. Et en fait, à partir de manière très claire de 1983, c'est-à-dire le virage de la rigueur du Parti Socialiste, qui dans un premier temps a voulu faire, être révolutionnaire. Afin de relancer l'économie française, rongée par une inflation à 14% l'an, François Mitterrand veut doper la consommation populaire. En augmentant le SMIC, les salaires, les prestations sociales, le président poursuit un objectif politique, tenir les promesses de la campagne, mais aussi un objectif économique, refaire partir la machine industrielle, anémiée par deux chocs pétroliers. Ces mesures sociales coûteuses, les nationalisations et la décentralisation, sont pour François Mitterrand le socle du changement, l'ossature d'un socialisme à la française. Ils se sont pris dans la gueule ce qu'on appelle le mur de l'argent, et ils se sont calmés. Dès l'automne, les nuages s'amoncellent. En octobre, il faut dans l'urgence solder le passif, effectuer la dévaluation qui n'a pas été faite en juin. La relance par la consommation gonfle le budget et creuse le déficit. L'état de grâce n'a duré que 6 mois. Mitterrand sait qu'il doit prendre des décisions politiques, économiques, monétaires. Le franc est attaqué, les partenaires européens exigent un nouvel ajustement. Faut-il passer sous les fourches caudines des Allemands ou au contraire, quitter le système monétaire européen, faire cavalier seul dans une chevauchée héroïque et solitaire? Qu'est-ce que c'est qui est le credo fondamental de Mitterrand? C'est ce sont les hommes qui font l'histoire. Et la volonté peut tout surmonter. C'est un côté extraordinairement positif. Mais en même temps, quand vous êtes en face du mur, la volonté ne peut pas renverser le mur. Finalement, Mitterrand décide de rester dans les SME. Ce sera la rigueur européenne, réajustement de la parité marque-franc et surtout un très sévère plan d'assainissement financier. Les tarifs du gaz, de l'électricité, du téléphone, de la SNCF ont été relevés d'environ 8% dès le 1er avril. Et ils sont passés effectivement de la gauche sociale à la gauche sociétale pour cacher qu'à travers la politique de la rigueur, je rappelle incarnée par Laurent Fabius, hein, qui est quand même sur tous les mauvais coups depuis très longtemps comme beaucoup de ses corrélégionnaires, pour cacher qu'on était sorti du social et qu'on allait passer sous Mitterrand à la casse industrielle accélérée. Hein, le monde de la sidérurgie, le monde du tissu, le nord, l'est, etc. Et ça s'est fait sous Mitterrand, sous les socialistes, donc c'est toujours les types de gauche qu'enculent le mieux les travailleurs, parce qu'effectivement, on les voit moins vite venir. C'est une constante. Par contre, tu vois un gars de gauche arriver. Toi, t'es complètement détendu. Le mec, il est dans le camp des gentils. Et puis le mec, il arrive et pan, il t'encule quand même. Ben là, je dis qu'il te la met beaucoup plus profond. Donc, à partir de 83, la différence gauche-droite n'a plus été le capital face au social. Tout a été capital et après, on a été dans les différences culturelles. Les mamelles du sociétal, c'est les minorités, soi-disant opprimées par la majorité. Donc on n'est plus sûr que l'oppresseur, c'est le capital et que l'opprimé, c'est le travail, c'est le social. Et donc c'est le majoritaire, puisqu'il y a plus d'ouvriers que de banquiers, il y a plus de travailleurs que de patrons. Hein. Donc là, on est passé dans un truc, un tour de passe-passe qui fait que la gauche, c'est le sociétal, donc ce sont les minorités supposées opprimées qui ne sont plus déterminées par la hiérarchie sociale et le rapport capital-travail. Donc on a les femmes opprimées par les hommes, sans se poser la question de savoir si c'est des ouvrières ou des femmes de patrons. On a les jeunes opprimés par les vieux. Et là, on se prend toute l'arnaque de mai 68 dans la gueule, tout le jeunisme, tous les mouvements étudiants de déstabilisation et toute la mainmise de la gauche trotskiste sur la jeunesse. Donc c'est tout ça, c'est de la désocialisation et de la dépolitisation au sens sérieux du terme. Et petit à petit, effectivement, on a Le Figaro d'un côté, Libé de l'autre, marqué à droite, marqué à gauche, alors que derrière, ce sont tous des libéraux mondialistes et euromondialistes. Et puis petit à petit, d'ailleurs, Le Monde qui disparaît en tant que journal de référence, qui incarnait le sérieux de l'honnête homme, hein, cette tradition de l'honnête homme qui commence avec les humanités françaises et les encyclopédistes, passe par Bergson, Paul Valéry au début du XXe siècle, dans les années 20, et à un moment donné, continue avec Beuve-Méry, les types qui ont fondé le journal Le Monde, c'est-à-dire à la limite, ni de gauche ni de droite, honnête. Lorsque vous avez créé ce journal en 1944, que vouliez-vous faire? Avant tout, un journal indépendant qui ne doive rien à personne, ni à l'État, ni aux puissances d'argent.
ni aux puissances constituées, que ce soit des églises, des syndicats ou ce qu'on voudra, un journal qui puisse vraiment n'avoir aucune espèce de fil à la patte. Cette indépendance de votre journal, comment l'avez-vous acquise? Car au départ, le journal a été créé par le général de Gaulle, donc vous n'avez pas eu beaucoup d'égards pour lui. Entre avoir des égards et être aux écoutes et à la remorque et aux ordres, c'est autre chose. Mais évidemment, je ne voulais ni ne pouvais être aux ordres. Il le savait et il l'avait accepté. Quelque chose qui est assez respectable, honnête homme, hein, celui qui n'est pas partisan, mais a gardé des valeurs chrétiennes et essaye d'incarner le bien politique, avec un certain sens de l'équilibre. Tout ça est assez français, hein, d'ailleurs. Voilà. Tout ça disparaît, le monde s'effondre, devient un outil de propagande, dans la main, je rappelle, de Plenel, avec Minc derrière et Colombani. Hein, donc c'est effondrement du journal de l'honnête homme, et à travers lui, disparition de l'honnête homme, étouffement de l'honnête homme, destruction de l'honnête homme. Et après, tous libéraux, libéraux de droite au niveau de l'esthétique, et libéraux de gauche au niveau de l'esthétique, avec l'arnaque aujourd'hui que le combat progressiste, c'est la défense des minorités face à la majorité. La démocratie, c'est la défense des minorités contre les majorités. Et la majorité soi-disant opprimante, en fait, c'est la majorité silencieuse et la majorité travailleuse, qu'elle soit prolétariat ou classe moyenne, qu'en prend plein la gueule, qui se fait critiquer sur des critères de ringardise, hein, beauf, ringard, etc. C'est-à-dire des critères purement esthétiques, complètement détachés de la morale politique sérieuse. Et de l'autre côté, un combat pour savoir lequel sera le plus branché, avec effectivement la montée très, très importante de la culture canale, hein. Des inrocs, avec effectivement on se sert du jeune, le jeune prescripteur de modernité, qui valide par sa connerie et son inculture politique liée au fait qu'il est totalement en dehors du monde de la production, enfin du travail, qui valide toutes les catégories des minorités. Et donc il est pro-immigré, pro-féministe, pro-lui-même évidemment, hein, pro-gay évidemment, et on est dans, voilà, et on arrive à cet effondrement qui fait aujourd'hui que Macron règne de manière centrale et totalement, je dirais, apolitique d'une certaine manière, hein, puisque effectivement c'est un employé de banque, hein, donc en fait il fait juter la dette, et que cette gauche et cette droite traditionnelle ayant totalement disparu, elles rebondissent parce qu'il faut quand même qu'il y ait deux camps. Alors aujourd'hui ces deux camps, ça peut plus être la gauche et la droite dont il ne reste plus rien, c'est soit l'écologie, soit le souverainisme. Et en réalité, quand on regarde l'écologie, c'est de l'écologie qui légitime le mondialisme, c'est-à-dire l'antinationalisme, puisque l'écologie, ça implique qu'on doit aller au-delà des frontières, puisque la question climatique n'admet pas de frontières, la question de défendre la survie des espèces animales, tout ça est au-delà des frontières. On peut tous avoir des combats différents. Moi, j'ai mes convictions politiques qui sont claires, on a nos convictions esthétiques, nos convictions sociales, nos convictions... Tout ça doit continuer d'exister. Mais s'il n'y a plus de monde, il n'y a plus d'autres combats. Donc on se sert... on va dire de la sensibilité écologique qui est saine d'une certaine manière et de la naïveté écologique pour en fait maintenir quelque chose qui s'appelle l'antinationalisme et le mondialisme. Attali parle très peu d'écologie mais ça ne doit pas le gêner beaucoup. Donc d'un côté on a la sensibilité écologique qui manipule tous les dépolitisés gentils et qui est en fait du mondialisme qui se cache. Et de l'autre côté, avec le Rassemblement National minoritaire, hein, on est bien dans du 65-35, on a les néo-souverainistes qui sont souverainistes mais... en ayant renoncé à sortir de l'UE et en ayant renoncé au pouvoir régalien sur la monnaie de sortir de l'euro, donc c'est du faux souverainisme, il ne reste en fait de souverainisme que l'anti-bougnoulisme, c'est-à-dire l'anti-islamisme, c'est-à-dire le national-sionisme, avec les figures qui sont en train de monter de plus en plus derrière Marine Le Pen qui s'estompera progressivement, Zemmour, Marion Maréchal, et au-dessus Patrick Buisson, et au-dessus... l'ombre qui plane du seul mec de droite qui existe encore en réalité face à cet effondrement généralisé, qui est Sarkozy. À Neuilly, où Nicolas Sarkozy a été maire pendant 19 ans, beaucoup réclament son retour. L'homme manque au paysage politique français, oui. Je pense que c'est Nicolas Sarkozy qui pourrait sauver très franchement les Républicains aujourd'hui. Il pourrait même sauver le pays, peut-être. En pleine crise chez les Républicains, bah, tout le monde va le consulter, donc je pense que sa parole compte énormément. Donc je pense qu'il a plutôt un rôle en retrait, mais ses conseils sont vraiment de bon augure, donc du coup je pense qu'il faut vraiment l'écouter. Nicolas Sarkozy, l'homme de l'ombre
silencieux depuis les résultats des élections européennes, furieux et consterné, nous a même confié l'un de ses très proches, ajoutant, il m'a dit, il n'y a plus de droite en France. Voilà. Donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, la réécriture de ce qui a remplacé dans son stade terminal totalement dépolitisé, totalement coupé de la réalité du sérieux, de la production, du capital et du travail, on a la gauche, c'est l'écologie mondialiste, donc le mondialisme au nom de l'écologie, et la droite, c'est le néo-souverainisme sans aucun pouvoir régalien, c'est-à-dire du néo-nationalisme impuissant, réduit en fait à la lutte contre l'islam, à mon avis, hein, et donc réduit au national-sionisme, c'est-à-dire à la défense d'Israël, en réalité, quand on comprend bien, qui est la seule nation autorisée dans ce truc, puisqu'effectivement, à la fin, comme je l'ai dit, un empire, c'est une nation qui règne et qui impose sa loi à d'autres nations. Et là, on comprend bien ce que c'est que le mondialisme d'Attali. C'est un gouvernement mondial à Jérusalem. Mais en fait, l'autre nation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Hein, donc là, tout comprendre l'Empire, c'est pour ceux qui l'ont lu, s'articule. Hein, voilà. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Bah, le Schwarget, c'est très intéressant, parce qu'à un moment donné, il y a eu le phénomène des gilets jaunes, et le type qui a émergé avec justement quelque chose de sérieux, d'un peu solide, c'était Schwar, qui disait, bon, bah, il faut aller vers la démocratie intégrale, et la démocratie sérieuse, c'est pas la démocratie représentative, mais participative, hein, et donc, il faut que le peuple ait droit à la parole, tout le peuple, et d'ailleurs rien que le peuple, après se poser la question de la définition du peuple, et aussi la définition du rapport entre la politique, le pouvoir et la parole, enfin, tout ça, il a pas eu le temps vraiment de le creuser, mais il était là pour dire, pour incarner le sérieux et la légitimité des gilets jaunes, parce que, comme on est censé être dans des régimes démocratique, personne ne pouvait dire il n'est pas question de donner la parole au peuple et effectivement il est très respectable d'essayer de mettre plus de démocratie dans la démocratie. Personne ne pouvait dire, espèce de pauvre con, qu'est-ce que tu crois? Et donc Schwar a atteint un prestige, une célébrité qui posait un seul problème pour lui, c'était vous avez à une époque discuté avec Soral et vous avez surtout validé que Soral était un résistant et donc n'était pas un mec d'extrême droite, et que selon d'ailleurs les catégories de Schwar, je luttais contre l'extrême droite réelle, qui est d'ailleurs la même que celle que j'avais dénoncée, que l'extrême droite c'était le pouvoir du capital parasitaire, financier, intégral et oligarchique, et que de ce point de vue-là, j'étais donc, si je prenais les catégories des gauchistes, un antifasciste conséquent. Soral, il est un résistant à la guerre. Il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres. Il dénonce la mainmise de la banque sur les médias. C'est ça le fascisme. C'est les plus riches qui prennent le contrôle du politique totalement et qui terrorisent la population pour qu'elle consente aux travaux forcés. C'est ça le fascisme. Soral est bien plus résistant que résistant à l'horreur libérale que Hollande ou Sarkozy qui sont tout le temps aux manettes, je veux dire. Et là-dessus, à chaque fois, il se faisait attraper. Schwar, il faut que tu t'éloignes de Soral. Alors ce qui est marrant, c'est que ceux qui l'ont obligé à s'éloigner de moi, c'était même pas la droite, c'était la gauche, les antifascistes. On s'est engueulé avec un ami qui m'est cher, qui est Étienne Schwar, à cause de son putain de lien vers égalité et réconciliation. On a discuté avec Étienne, avec Frédéric Lordon, avec Bernard Friot, on est allé chez Étienne, avec Ruffin. On a essayé de dire à Étienne, enlève tes putains de liens vers égalité et réconciliation. Donc si tu veux, on lui dit, mais Soral n'est pas un intellectuel, c'est un chef de parti, putain, dégage Soral. Et lui dit, je refuse, d'abord je veux pas m'adresser qu'à la gauche, je veux m'adresser aussi aux gens d'extrême droite. Enfin bon, il est sur un fantasme mais Soral, c'est un piège. Les gauchistes venaient, alors c'est les Lepage, comment il s'appelle, Lardon, Lordon, ouais, enfin voilà, les types à catogan payés par l'éducation nationale pour soi-disant contester le pouvoir qui les paye. Enfin là, c'est le truc du rebelle fonctionnaire, c'est toujours assez drôle. Et les types disaient, nous t'interdisons de faire le pont entre l'opposition de gauche et l'opposition de droite. Et Schwar disait, oui, mais il n'y a que comme ça qu'on pourrait vraiment faire une révolution démocratique. En 2005, je rappelle qu'en 2005, quand nous avons gagné, je dis nous, je pense à tout le monde là, je ne suis pas un escroc, hein, je ne dis pas nous, la gauche. Quand nous avons gagné, c'est-à-dire tout le monde, c'est parce qu'il y avait les gens de gauche et de droite. Hein. Les gens de gauche, ils n'auraient pas gagné le référendum de 2005. Il a fallu qu'il y ait des gens, Le Pen, des Le Penistes, qui se mettent avec nous pour que nous gagnions en 2005.
Et ce sera pareil contre le capitalisme. On ne gagnera pas contre le capitalisme s'il n'y a que les gens de gauche. C'est pas vrai. Ça n'arrivera pas. Enfin, c'est quand même étonnant. C'est les gens de la gauche radicale, parmi lesquels j'ai plein de copains, évidemment, hein, et qui me reprochent ce que je dis là, parce que je suis comme un traître quand je dis qu'il faut qu'il y ait tout le monde. Tout le monde, y compris les gens du Front National. Mais je suis vécu comme un traître pour ça. Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont ultra sectaires, parce qu'ils croient qu'ils vont gagner tout seuls. Et alors le type a du mal à aller plus loin. Donc là, je dis à Chouard, tes pires ennemis, effectivement, c'était les gauchistes, les antifascistes. Mais ça, je crois, parce qu'effectivement, t'es pas allé jusqu'au bout de ton raisonnement, que si les fascistes, c'est ceux qui luttent contre soi-disant le fascisme, en vérité, les vrais fascistes sont les antifascistes. Et peut-être même, d'ailleurs, que ceux qu'on appelle les fascistes, il faut que tu lises Bardèche, sont peut-être les vrais antifascistes, en réalité. Enfin voilà, on est dans ce qu'a bien écrit George Orwell, hein. C'est-à-dire une inversion de sens totale. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. George Orwell, 1984. L'antifascisme, c'est le fascisme. Hein, voilà. Donc, dans un premier temps, il a dit, il faut que tu vires Soral de ton panthéon. Bon, il a accepté de le faire. Donc après, bah, il a réussi à se maintenir, il était à Sud Radio. Alors à chaque fois, on le mettait face à Elisabeth Lévy, face à un de la famille Enthoven, hein, c'est-à-dire toujours des juifs attaché à défendre le pouvoir tel qu'il est. En démocratie, le peuple est le maître, il n'est pas le roi. Il décide, mais ça n'est pas son bon plaisir qui commande. Quand c'est son bon plaisir qui gouverne, c'est-à-dire quand du jour au lendemain il décide qu'un tel ne lui convient plus ou prend des mesures impopulaires ou parce qu'il refuse d'en voir les conséquences ou quoi que ce soit et qu'il considère que par conséquent il manque à sa tâche et qu'il le révoque, c'est son bon plaisir qui intervient. C'est un comportement royal. Et c'est tout le problème d'une démocratie non représentative. C'est le contraire. Je comprends pas. Et l'autre, effectivement, bataillait en disant, répétant la seulement, je suis un gentil qui est pour plus de démocratie et j'essaye de vous faire comprendre. Et les autres faisaient semblant de ne pas comprendre, disant, oui, c'est bien, t'es un gentil, mais si tu veux continuer à exister en tant que gentil et avoir une petite notoriété, eh ben, il va falloir que tu continues à nous servir de faire valoir. Parce qu'en fait, à Sud Radio, c'est quand même ça qu'il faisait. L'antisémitisme, ce qu'on appelle l'antisémitisme, ça n'est pas la critique du judaïsme, c'est la haine des juifs. Or, mais personne, précisément... Mais personne n'a de haine des juifs. Ah bon excusez-moi. Mais vous connaissez beaucoup ça. Non, mais, excusez-moi. Je crois que je devrais vous emmener faire un petit tour en Seine-Saint-Denis et puis je vais vous expliquer. Mais bon, combien de juifs ont été tués en France Combien de juifs ont été tués en France depuis que Mohamed Merah est rentré Et puis alors, à un moment donné, comme la pression monte et qu'il ne se soumettait pas assez... On lui a posé la question qui tue. Alors la question qui tue, c'est pas qu'est-ce que c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est que le rapport capital-travail, où là on pourrait aller voir chez Cousin, ce serait sérieux, c'est est-ce que tu crois à la chambre à gaz ? Alors je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz ? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là ? Bah, oui, non, mais... Et alors celui qui lui pose la question, évidemment, c'est Denis Robert. Alors Denis Robert, gauchiste, qui tient tout son prestige du fait qu'il avait montré la blanchisseuse d'argent sale qui était Clearstream, qui permet de recycler dans le capital et de pouvoir payer les dividendes au capital, en fait, l'argent sale de la prostitution et de la drogue mondiale. Puisque je le rappelle, l'argent sale de la prostitution et de la drogue équivaut exactement à la rente annuelle du capital. C'est-à-dire que si on sort l'argent sale du système de l'argent, la rente du capital est égale à zéro. Donc c'est pour ça qu'il faut Clearstream, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait que le bourgeois peut toucher des dividendes sur l'argent qu'il a placé à la banque ou à la bourse, c'est pas la valeur ajoutée que produit la bourse, c'est le blanchiment de la cocaïne des cartels mexicains. C'est ça qu'il faut comprendre quand on articule tout. D'où la nécessité de Clearstream. Et c'est ça qu'avait montré du doigt, malgré lui, un type comme Denis Robert. Ça l'avait dépassé totalement. Ma motivation, elle est où passe l'argent. Voilà où elle est, ma motivation. Et je me contente pas des réponses des juges ou même des journalistes ou de ce que je lisais qui disaient « Oui, quand ça part dans les paradis fiscaux, ça disparaît. » Ça disparaît pas. Et je le prouve. Pour cette raison, il s'est fait massacrer à coup de procès pendant 15 ans, je crois. Et d'ailleurs, il avait face à lui un avocat qui était, je crois, le petit Malka. Denis Robert est donc condamné 3 fois pour diffamation. Quand l'écrivain exprime sa déception à l'AFP, la partie adverse fanfaronne. Clearstream ne peut être que très satisfaite de cette triple condamnation de Denis Robert. C'est aujourd'hui la 8e fois en France que l'enquête de Denis Robert et que ses accusations sont démenties par la justice après de très longs débats. Hein, que je retrouve face à moi, de la communauté de lumière aussi, et pourtant de gauche quand ça l'arrange. Avant de répondre précisément à ta question, Elisabeth, juste une observation, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le parallèle que tu fais entre Shoah
et religion, parce que la Shoah, c'est un fait. La religion, c'est une croyance. Donc ça... Tout ça, quand même, c'est, ça dit quelque chose. Hein. Et donc, Denis Robert l'invite sur le journal du Média, qui était censé être le média de Mélenchon, mais qui était quand même surveillé par un type comme Gérard Miller, qui est quand même un psychanalyste néo-lacanien, dont la spécialité était le viol sous hypnose, et qui n'a pas grand-chose à voir avec le souverainisme de gauche, mais qui était là quand même pour surveiller Mélenchon. Et puis finalement, à un moment donné, on avait dans ce média une certaine Aude Lancelin qui avait soutenu les Gilets jaunes. Je vous le dis, ce qui m'a ulcéré, ce qui m'a traumatisé, c'est moins tant la violence de ces insultes que certains commentaires que j'ai lus. Et je voudrais en citer un très vite, parce qu'il y en a eu plusieurs, de Aude Lancelin. Elle reproche à Griveaux d'avoir dit qu'on m'avait traité de sale juif. Cette phrase est inaudible, c'est un mensonge pour faire monter la haine contre les Gilets jaunes. Deuxième tweet, c'est une pseudo-affaire Finkielkraut, montée en épingle par un gouvernement aux abois pour détruire un mouvement social historique. Cette vindicte, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une façon de dire, Finkielkraut, on l'attaque pas en tant que juif. On l'attaque, on veut le lyncher en tant que raciste, en tant que sioniste de merde. C'est très bien. Je le ratifie, parce que le sionisme, c'est la merde pure. Et la pauvre Lancelin, qui, je dirais, de manière hegélienne et à reculons, commençait à comprendre certaines choses, à un moment donné, à force de soutenir les Gilets jaunes au nom du travail et de la gauche historique et authentique, se fait traiter, en fait, de rivarolienne. Qu'elle réfléchit sur les 30 ou 40 ans de travail gentil de gauche qu'elle a fait, pour à la fin se faire punir... Et elle comprend certaines choses, hein, parce que je rappelle qu'elle m'a craché à la gueule depuis les années 90. Hein. Puis à un moment donné, elle se retrouve pratiquement collée à moi, mais à force de reculer, alors que moi j'avance, quoi. Et effectivement, ça produit des électrochocs, hein, chez les gens. Et là, elle se fait virer du média. Et elle est remplacée par Denis Robert. Alors Denis Robert, on se dit quand même, c'est un combattant de gauche, il a lutté contre Clearstream. En fait, non, Clearstream l'a épuisé pendant 15 ans, et il revient... comme gauchiste, il faut suivre, là je parle du physique comme j'ai parlé du physique d'Asselineau, regardez la gueule de Denis Robert, rien ne viendra jamais au niveau du combat politique sérieux d'opposition au fascisme authentique de types qui ont ce regard et ce physique. Hein. Là il faut quand même relire Evola, quelque part, il faut revenir à certaines choses qui ont à voir avec la pensée traditionnelle, ce qu'on appelle la virilité et la virilité intellectuelle. Denis Robert, il porte ce qu'il est sur sa gueule. Quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le gentil gauchiste ami de Chouard l'invite à son émission et au lieu de lui dire ben parlons du RIC, parlons effectivement de la gauche qui devrait revenir, du travail, de la réappropriation par les travailleurs de la démocratie authentique, il lui pose la question totalement incongrue de la chambre à gaz. C'est pas mon sujet, j'y connais rien, non, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre, j'y connais rien. Pourquoi je peux? Mais bien sûr que si. Alors, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute. J'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. Et l'autre répond, effectivement, je n'y connais rien et ça ne m'intéresse pas et c'est hors sujet. Eh ben non, Denis Robert est là pour bien dire, non, c'est le sujet. Il va falloir que tu répondes et pas que tu répondes que tu n'y connais rien ou que tu n'y crois pas, mais que tu te soumettes ici à la religion de la Shoah, parce que c'est ça que ça veut dire. Je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et t'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire des... J'ai pas pris le temps du tout de travailler sur le sujet. C'est tout ça qui t'est reproché. Des solutions sur magasin, mais pas du tout. Mais non, mais on te dit de confusionnisme. J'ai parlé de ça. Mais si. Que je dise... Les chambres à gaz ont existé de façon tranchée, non ambiguë. Vous parliez notamment du travail des historiens qui doit être fait, etc. Pour les chambres à gaz, c'est incontestable qu'il y a eu un travail historique qui a été fait, qui aujourd'hui fait que sans vous pencher sur... Moi, j'ai vu Nuit et brouillard quand j'étais au lycée. Chaque camp réserve des surprises. Un orchestre symphonique. Un orphelinat éphémère, constamment renouvelé. Un bloc des invalides. Je te dis pas que t'as pas le droit. Je trouve que t'es vraiment trop léger sur cette question. Donc Denis Robert, c'est un peu le type, vous savez, qui dit aux officiers polonais de se rendre à la convocation du NKVD dans les massacres de Katyn, vous voyez. C'est pour ça que je dis à Chouard, t'as pas compris où étaient tes vrais ennemis, et t'as pas compris où étaient, comment dirais-je, ceux qui permettent au fascisme de se maintenir, hein.
C'est-à-dire, voilà, t'as pas compris toutes ces catégories inversées, et là, tu vas pouvoir avoir tout le temps de le comprendre et de l'analyser tranquillement chez toi, hein. Voilà. Et donc, l'autre, ben, il s'est pas prosterné devant immédiatement, sans condition, devant la religion de la Shoah, et je rappelle que la religion, il n'est pas question de rationaliser. C'est du domaine de la foi. Tu crois ou tu ne crois pas. C'est pas une opinion, c'est un fait avéré. La Shoah, c'est un fait. Quand on a un minimum de culture sur ces questions-là, et moi je suis pas non plus un spécialiste de tout ça, mais j'ai vu Nuit Brouillard comme Mathias, où j'ai lu ces livres-là. 9 millions de morts hantent ce paysage. J'ai aucun doute. Si tu commences à demander des preuves, si tu demandes à demander des preuves de la résurrection du Christ, des preuves de la véracité des tables de la loi quand Moïse descend du mont Sinaï en disant est-ce que c'est peut-être pas une arnaque, le mec avait des voix où ils sont en train de nous enfumer. Quand tu demandes des preuves au nom de la rationalité alors qu'on est du domaine de la foi, là tu as tout de suite le tribunal de l'Inquisition qui te rappelle que la foi n'est pas la raison. Des gens ne comprennent pas très bien pourquoi souvent je dis que quand on veut faire rentrer la raison dans la foi, on se ridiculise deux fois, peut-être qu'ils vont comprendre un peu mieux. Et là, il a un moment de tremblement où tous ses bons amis lui tirent dessus pendant genre, les coups de téléphone, etc. Je connais tout ça. Hein. C'est quoi votre erreur à vous? C'est d'avoir rendu hommage à Étienne Choix. Même si je dis que, évidemment, c'est sur le référendum d'initiative citoyenne, voilà, là, il est pour le moins... Mais ce genre de vidéo, ça passe pas. Oui, mais moi, j'ai grandi avec mon ami Frédéric, un sac de billes de Joseph Joffaut, Au revoir les enfants, plus tard Arthur Koestler. Je ne considère pas du tout que la Shoah soit un point de détail de l'histoire, au contraire, ça a participé à ma construction. Et là, le Chouar, on lui donne une deuxième chance de se soumettre à la religion de la Shoah. Il retourne à Sud Radio, et là, il est face à la commissaire politique de la communauté, Elisabeth Lévy, qui n'a strictement aucune légitimité pour être là. Quelqu'un qui dit « je ne suis pas sûr que les chambres à gaz aient existé », je ne demande pas qu'il soit exclu du débat public par la loi, je demande moi le droit de ne pas discuter avec lui parce qu'il n'y a pas de monde commun. Ça n'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question de monde commun. Je ne suis pas du tout, mais pas le moins du monde négationniste. Pas du tout. Je pense que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale est littéralement une catastrophe, une dégueulasserie, quelque chose qui est très important pour l'humanité. Oui, vous n'êtes certainement pas un nazi, mais vous avez dit des choses négationnistes. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'effondre, il se soumet totalement sous la pression, et il va jusqu'à traiter le professeur mort de menteur. Je ne suis évidemment pas négationniste ni antisémite. Les chambres à gaz sont une horreur absolue qui ont tué des foules d'innocents. Les mensonges de Forisson devraient être mieux contredits publiquement. La Shoah est une des pires atrocités de l'histoire humaine. Étienne Chouard, 12 juin 2019. Là, pour moi, il y a des choses de l'ordre du déshonneur. Et on a donc un type qui se prosterne, qui se soumet. Donc, ce qu'on peut comprendre tout de suite, c'est qu'on ne fait pas la révolution en rampant, et que quand on veut s'opposer au pouvoir profond, on ne se soumet pas au pouvoir profond. Et surtout quand le pouvoir profond se nomme à toi. Et à un moment donné, il se présente à toi dans tous ses habits sacerdotaux. Hein, c'est ça l'idée. Donc, tu as douté de la chambre à gaz, tu sors du jeu. Hein, voilà, c'est clair et net. Et l'autre a dit, à un moment donné, non, j'ai compris. Je ne suis pas négationniste, les chambres à gaz ont existé, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et c'est une indignation, c'est révoltant. Non, mais la Shoah pas, aussi, évidemment, et c'est répugnant, c'est scandaleux. Bien sûr, je crois, je me repens. Il croit un peu trop tard. Hein, voilà. Donc, tout ça valide les catégories soraliennes de l'analyse et de la pensée. Et c'est pas pour rien que Chouard a déchu et est devenu Chouard le couard. Hein, voilà. Et que Soral, lui, immédiatement dans le même moment, c'est 2 ans de prison ferme parce qu'il a montré un clip gilet jaune qui montrait bien la réalité du pouvoir qui faisait que les gilets jaunes étaient des gilets jaunes. C'était sans doute le clip le mieux articulé et le mieux construit. Un tsunami de travailleurs vénères déferle sur la France qui bosse la semaine et qui proteste le week-end. Des prolos patriotes très fâchés, pas fachos pour un sou, exaspérés de galérer pour joindre les deux bouts. Qui voient une élite décadente totalement déconnectée, une classe dirigeante arrogante coupée de leur réalité. Des petits barons méprisants qui se comportent comme des parasites. Des mecs payés 10 000 par mois pour t'expliquer qu'il y a plus de fric. Hein, et qui n'est d'ailleurs pas monocausal, hein, qui montrait bien
l'oligarchie dans toutes ses différentes composantes et comme une articulation effectivement de gens de pouvoir qui cohabitent, coexistent et collaborent. Hein, voilà. Donc l'exemple de Chouard est parfait. Chouard, qui au départ voulait se battre pour la démocratie authentique et pour le plus de démocratie, a fini par, comment dirais-je, chuter et à Chouard, effectivement, et à être obligé de se soumettre à ce qui surdétermine tout, qui est la chambre à gaz, qui fonde, comme Golgotha, la religion de la Shoah, qui est la religion du pouvoir, du mondialisme, de l'oligarchie. Voilà. Tout est sur la table. Je ne comprends même pas d'ailleurs comment De Benoît continue à nous parler du libéralisme et de la critique du libéralisme, comme le fait d'ailleurs à gauche Michéa, alors que c'est de tout ça dont il devrait parler s'il voulait continuer à faire le boulot. Je veux dire, il a les moyens. Et puis en plus, il a payé pour savoir, lui aussi. Hein. Donc, Chouard, exit Chouard. Ce qui veut bien dire que les gilets jaunes à la Chouard, c'est fini. Comme je l'ai dit, rien ne passera par le RIC. Si vous voulez le RIC, il faudra d'abord que je fasse la révolution. Et les gilets jaunes, la couleur n'était encore pas assez soutenue. Si on veut vraiment que la résistance aille un peu plus loin, il va falloir passer des gilets jaunes aux gilets bruns. Ça rime en plus, vous voyez. Oui, alors je fais quand même remarquer que le pouvoir en ce moment, qui a été un peu brutalisé par la colère des Gilets jaunes, est obligé quand même de lâcher du lest et de donner des gages. Hein, et il y a certaines digues qui tombent, évidemment. Hein. Le pouvoir est quand même inquiet, notamment du travail qu'on fait sur Internet, de réinformation. Donc ils se disent, les gens ne croient plus aux médias dominants, ça c'est vérifié que c'est plus de 65% de gens qui ne croient plus aux médias dominants. Bon, ça c'est un des effets positifs des Gilets jaunes, il y en a forcément. Et les gens ont tendance à aller sur Internet. Hein. Alors après, ils disent, sur Internet, ils vont sur Égalité Réconciliation, premier site de réinformation de France. Il va falloir leur offrir du Canada Dry par rapport au whisky de qualité 12 ans d'âge qu'on produit. Et pour ça, on voit qu'il y a des choses qui ont émergé, dont Thinkerview. Alors on peut être étonné que Thinkerview, qui arrive sur Internet comme ça, arrive à inviter des gens qui acceptent de venir, qui sont des hauts gradés. Monsieur l'ambassadeur Alexandre Orlov, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous recevons au nom du Club des Vigilants et de la chaîne YouTube Thinkerview. J'ai fait une grande partie de ma vie professionnelle dans l'administration. J'ai commencé par enseigner, ensuite j'ai été juge, après j'ai travaillé au ministère de la Défense, après j'ai travaillé à Matignon. J'ai fait 22 ans chez Alstom, j'étais directeur commercial de plusieurs filiales, j'ai été patron de plusieurs business chez Alstom. Alors nous on a un peu creusé grâce à Fedoc documents sur Thinkerview. Thinkerview, je ne vais pas en dire tellement plus, vous irez voir sur Fedoc et on fera une émission là-dessus, ce sont les services. Hein. C'est les services. Hein, voilà. Le type, il ne se montre pas, a un faux nom, et donc c'est le système qui lâche un peu du lest parce qu'il faut répondre à une demande d'explication et de on va dire de contestation d'un niveau un peu supérieur aux offres des médias mainstream qui est une offre zéro. Mais Thinkerview, c'est les services, voilà, on peut le dire, et c'est pour ça que des gens y viennent qui ne viendraient jamais par exemple chez nous, hein. C'est la question qu'il faut se poser. J'en dirai pas plus parce qu'on laissera Fedoc faire le boulot. N'apparaissant pas à l'image et se présentant sous le pseudonyme de Sky, l'intervieweur, un certain Bertrand Calinou, apparaît en 2013 dans cette feuille de route du Club des Vigilants prévoyant, via le lancement de Thinkerview, de donner une visibilité sur Internet à ce club fondé en 1996 par Marc Ullmann. Fonctionnaire à la COCA, journaliste au Monde, rédacteur en chef à l'Express puis aux Échos, cofondateur d'Action contre la faim et président de la communauté israélite de Saint-Louis dans le Haut-Rhin, et dont la présidence fut longtemps assurée par le banquier Bernard Eisenberg, né Eisenberg, ancien conseiller pour les affaires industrielles du Premier ministre Georges Pompidou, puis PDG de la compagnie financière Edmond de Rothschild. Vincent Lapierre a compris que la vraie opposition radicale à laquelle il participe avec nous, c'était dangereux, parce qu'effectivement c'était dangereux, et qu'à un moment donné il a eu un projet de réussite sociale, ce que je peux comprendre, parce qu'il s'est marié et là il vient d'avoir un enfant, et en fait il a compris ce qui lui était offert, où à la fois il pouvait jouer à l'antisystème sans se prendre le système sur la gueule, et c'est participer à la nouvelle opposition contrôlée. Pour ceux qui regardent ces vidéos avec un peu de recul,
bah, il est totalement là-dedans depuis déjà un moment. Et là, je sais que comme il en a marre de faire le trottoir, parce qu'effectivement, il vieillit et que c'est quand même chiant d'aller avec un micro systématiquement sur le terrain, il essaye de faire ça par d'autres déjà. Hein. On voit, il a coopté d'autres types à qui il donne son micro avec son nom dessus. Et là, récemment, je crois qu'ils ont fait la Gay Pride. Et lui, ce qu'il veut, c'est monter un média généraliste copié sur ER et qui fera, quoi, vous dites, du Canada Dry quand on fait du whisky. Et je rappellerai que quand il s'est éloigné de nous, il a été poussé à se séparer de nous par un type qui était venu nous voir, soi-disant pour nous aider, et qui était le plus gros marchand parisien, je crois, de matériel audiovisuel. Et qui voulait, à mon avis, passer du hardware au software et monter un peu en gamme au niveau prestige, et qui donc l'a financé, l'a éloigné de nous, et l'a, on va dire, l'a séduit, et a senti chez lui cette fragilité narcissique, hein, du narcissique angoissé. Et ces gens-là, ceux qui sont derrière lui, ils sont pas 36, n'ont rien à voir avec la politique. C'est des gens qui ont compris qu'il y avait un business à monter et à faire dans ce qu'on appelle une agence de presse généraliste Internet, voilà. Avec cette idée très schwardienne foireuse que la démocratie, c'est de donner la parole au peuple, donc, et avec le concept très mensonger de médias pour tous. Il n'y a pas de médias pour tous. Le média pour tous, c'est le média pour lui. Et de toute façon, un média est surdéterminé par ceux qui le regardent et qui ont envie de le regarder, qui sont eux-mêmes, surdéterminés par les catégories sérieuses des classes sociales, des sensibilités sociétales, etc. Le média pour tous, c'est le média pour personne. En général, c'est le média pour celui qui prend le pognon, c'est-à-dire les 25 000 euros, qui sont d'ailleurs des souscripteurs. D'ailleurs, il y a le nombre de souscripteurs, mais vous avez vu que la somme n'est pas marquée. Parce qu'effectivement, la clientèle jeune du youtubeur Lapierre, effectivement, ça peut les choquer de voir que 25 000 euros sont engrangés pour payer des mecs à l'heure dans une structure associative, qui est d'ailleurs copiée sur celle qu'on a montée nous. Hein. C'est-à-dire que le business plan, c'est nous qui l'avons monté. Je rappelle au passage que si à un moment donné on va attaquer Lapierre en justice, c'est qu'on l'a financé pendant un certain temps à concurrence de plus de 10 000 euros par mois. C'était pour monter un média chez nous, pas pour se servir de l'argent qu'on lui donnait, pour monter un média concurrent en se servant exactement du business plan qu'on avait monté. C'est pour ça qu'à un moment donné, parce que là il posait la question de comment se réconcilier avec moi, il m'a envoyé au bal des quenelles hier une estafette qui a osé me demander si j'étais d'accord pour qu'on se filme en train de se serrer la main. Il va d'abord falloir qu'il rende l'argent. Et de toute façon, ça ne suffira pas parce que nous, on n'est pas là pour favoriser un faux média d'opposition. Donc, il y aura à la limite jamais de réconciliation, mais il peut y avoir une trêve dans la guerre que je lui fais, qui d'ailleurs fait partie de la guerre que je fais au système, hein, tout simplement. Il n'y a rien de personnel, on va dire. Hein. Pour ça, il faudra simplement à un moment donné qu'il rende l'argent. Et puis moi, je continuerai à montrer effectivement qu'il ne fait pas le travail. Et si un jour il se remet à faire le travail sérieusement, d'ailleurs, se posera la question de pourquoi il n'a pas continué à le faire chez nous. Et s'il refait le travail sérieusement, je cesserai de l'attaquer. Mais là, il aura tous les ennuis que j'ai. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, il y a une logique de la politique implacable. Donc, pour que les gens comprennent bien, l'affaire avec Vincent Lapierre, c'est d'abord une histoire d'argent. On l'a financé et il s'est servi de l'argent qu'on lui donnait pour monter une structure concurrente, ce qui est de l'escroquerie. Il touche aujourd'hui 25 000 euros pour faire un boulot qui ne vaut rien. Et en fait, il se fait un trésor de guerre. C'est okay, que bon. tu as tendance à avoir une position bizarre. Son mentor, lui, c'est ce qu'il voulait faire. Attention si je le croise, celui-là, parce que celui-là, c'est pareil, c'était un cheval de Troie qui est venu chez nous, soi-disant pour nous aider, en fait, pour nous piquer des gars, pour monter le truc qu'il avait derrière la tête. Hein. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Vincent Lapierre, qui est un efféminé, hein, qui est une femmelette, en fait, il a été séduit par ce mec, qui a bien vu chez lui les failles narcissiques et le désir de célébrité au sens The Voice du terme. Hein. Si tu peux être fort, sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter les sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot, tu seras un homme, mon fils. Parce que là, on peut dire effectivement que, d'une certaine manière, Lapierre est une victime. Hein. Et que ce média qu'il veut essayer de faire, on va être très vigilant pour voir ce qu'il fait réellement. Et je pense qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'on fait nous. S'ils font ce qu'on fait nous, ils seront très violemment emmerdés, alors que pour l'instant, ils ne subissent aucune attaque, aucune oppression, hein, des réseaux sociaux, de la banque, etc. etc. Hein. Et de toute façon, quand ils feront semblant de faire ce qu'on fait nous, ça se verra, et comptez sur moi pour bien le montrer systématiquement. Et vous verrez, c'est là quand même où il y a ce qu'on appelle le sérieux, qu'avec le recul, vous êtes obligé d'admettre que tout ce que je dis est vrai et que j'ai raison. Et d'ailleurs, au bal des quenelles hier, ça s'est vérifié entièrement. Donc là, je ne suis pas venu
pour n'importe quoi. Ça demande un certain sens de l'honneur, un certain sens de la fidélité. Une fois qu'on a pris ça dans sa poche, on va pas derrière faire du business en enculant ses anciens partenaires qui vous ont aidé, financé, protégé, logé et formé. Vous voyez ? Merci. Merci. Ils sont beaux dans leurs petites culottes, tous ces sportmen, ces rugbymen. Mesdemoiselles, si ça vous asticote, n'hésitez pas à taper dans le tas. Bah, j'ai réfléchi sur le rugby en prenant toujours le même schéma qui est comment l'économie de marché et comment le marché qui est devenu l'idéologie dominante sans contrepoids fait marcher le monde et tous les secteurs du monde, comment le compte d'exploitation annuel et le profit à court terme empêchent toute vision stratégique de long terme, que ce soit pour tout ou n'importe quoi, hein, un État et même un sport, et je coordonne ça avec le lent effondrement, enfin deux choses qui peuvent apparaître contradictoires, c'est d'un côté le lent effondrement du rugby français à travers les matchs internationaux, tournois des six nations et confrontations nord-sud, où la France, qui était un pays qui était dans le top 3 à une époque et qui avait une spécificité qui était le French flair. La balle pour les Français, voilà, ça repart, il y a le surnombre, il y a le surnombre Benazi, la passe pour Tamac, il y a Philippe Sella là-bas, il y a Cabane, il y a Deleg, et il y a tout à l'essai au bout, bah oui, Les Français jouent d'une façon différente des Anglais. Ils semblent plus à l'aise avec la balle. Les essais les plus grisants ont été marqués par des Français. Je me souviens d'un match à Twickenham il y a quelques années où tout le monde a pensé que Serge Blanco toucherait dans son embute pour avoir un renvoi aux 22 mètres. Mais non, il a commencé à courir avec la balle et les Français ont marqué un essai magnifique contre l'Angleterre. En fait, ils ont perdu le match de quelques points, mais ce fut l'un des plus beaux essais qu'il m'ait été donné de voir. Et le jeu à la française, qui était très réputé, qui d'ailleurs a été repris après par l'Argentine, et qui d'ailleurs, sous Bernard Laporte, on y a totalement renoncé pour le jeu à l'anglo-saxonne. Bon, ça c'est des remarques. Dominateur en mêlée, intraitable en défense, les Français peinent à marquer des essais. Dans le jeu actuel des Bleus, c'est prime à la force, parfois au détriment du beau jeu. Et si c'était la fin du French flair? Le French flair, c'est un peu dépassé. Le rugby est devenu tellement compliqué, c'est tellement difficile de manœuvrer les défenses adverses que voilà, marquer un essai en première main, ça devient très 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 rare. Mais surtout que progressivement, on ne fait que dégringoler dans l'échelle hiérarchique du rugby. On n'est plus invité, comme disent les joueurs eux-mêmes. C'est simple, aujourd'hui au niveau du tournoi des six nations, on est au-dessus de l'Italie et seulement au-dessus de l'Italie, et à peu près à égalité avec l'Écosse, et on est au-dessous systématiquement de l'Irlande, qui est un tout petit pays en nombre de licenciés, du Pays de Galles, qui est un tout petit pays en nombre de licenciés, et de l'Angleterre, ces trois pays nous mettant une branlée systématiquement. L'Angleterre, bon, par une puissance effectivement de rugby avec beaucoup de licenciés, mais le Pays de Galles et l'Irlande avec très peu de joueurs par un jeu d'une qualité incroyable que nous ne sommes pas capables de développer ou seulement de développer pendant 20 minutes. Et ça, il faut l'articuler avec quelque chose qui est complètement contradictoire, c'est que nous avons par ailleurs le top 14, c'est-à-dire le championnat de rugby le plus huppé et le plus cher du monde. Et on voit bien qu'en fait, que c'est parce que nous avons l'un que nous avons l'autre. C'est-à-dire que le top 14, c'est le marché dans le rugby. C'est-à-dire que pour avoir un spectacle de qualité immédiatement et des retombées immédiates au niveau du spectacle, au lieu de former des joueurs, on achète les meilleurs joueurs du monde. Donc on a effectivement des équipes qui sont des équipes qui incarnent soi-disant une ville, qui sont Toulon, Clermont-Ferrand, qui sont très fortes, mais dans lesquelles les meilleurs joueurs sont pratiquement tous des étrangers. Et
Par ailleurs, cet argent qui est investi dans des salaires de joueurs et dans un spectacle immédiat soumis au marché, qu'est-ce qu'on a sacrifié ? Les centres de formation. Les centres de formation fonctionnent encore comme fonctionnait le rugby de papa, réduit au sud-ouest, et effectivement, qui nous donnait une suprématie dans le rugby jusque dans les années 80. Là, on peut faire le parallèle avec le football. Si à un moment donné, on a décollé dans le football, alors qu'on avait un championnat très pauvre, on a le championnat le plus merdique d'Europe, puisqu'on est, on a très peu d'équipes très fortes. On a un peu le PSG avec beaucoup d'argent. On avait l'OM et un peu Lyon et un peu Bordeaux. Mais je veux dire, par rapport à l'Italie, à l'Angleterre et à l'Espagne, qui ont à Rome deux clubs de niveau européen, à Milan, etc., ou à Barcelone, ou à Madrid, hein, ou etc. Quant à l'Angleterre, j'en parle même pas. On avait en fait un championnat professionnel de très mauvais niveau, mais comment on a atteint un haut niveau en tant qu'équipe nationale ? C'est par les centres de formation. C'est-à-dire mettre de l'argent d'État avec une vision stratégique à long terme pour développer des centres de formation qui produisaient des jeunes joueurs chez nous, de très haute qualité. Un centre national technique du football va voir le jour à Clairefontaine, dans les Yvelines. C'est une réalisation très importante où se dérouleront des stages et l'entraînement de l'équipe de France. Le centre technique national du football sera implanté ici, sur les 56 hectares du domaine de Montjoie à Clairefontaine, en Yvelines. Cet outil technique, situé à 50 km de Paris, en forêt de Rambouillet, formera les footballeurs de la fin du XXe siècle. Coût de l'opération, qui sera achevé en 1987, 80 millions de francs. Au milieu de la forêt de Clairefontaine, l'Institut National du Football, pépinière de talent du foot français. Sur les murs de l'établissement trônent fièrement les maillots de ceux qui ont gagné le droit de devenir joueurs professionnels, Atem Ben Arfa, Alphonse Areola ou encore bien sûr Kylian Mbappé. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on est devenu, à l'époque de Platini puis à l'époque de Zidane, les leaders mondiaux. Championnat à pognon faible, avec beaucoup de joueurs africains d'ailleurs. Lille 2e reçoit Angers 13e, des Lillois qui ont assuré leur deuxième place et donc la qualification pour la Ligue des Champions. Une très bonne situation pour le LOSC. Et le SCO a enfin une occasion avec ce tir directement sur Mike Maignan, la reprise à côté. Dommage. Et par contre, centre de formation et équipe nationale de qualité par les centres de formation. Au rugby, on a fait exactement l'inverse et on est dans la catastrophe inverse. C'est-à-dire le top 14, le plus prestigieux du monde, avec le plus de pognon et les équipes les meilleures, dans lesquelles il y a de moins en moins de Français, et une équipe nationale catastrophique, parce que, en fait, les centres de formation, les cadres et les types qui se goinfrent à ce niveau-là et qui apprennent à jouer, jouent encore comme dans les années 70. Donc, si on veut sauver le rugby français, il va falloir faire comme on a fait dans le football. Il va falloir en rabattre un peu sur le top 14 et le tout pognon, et avoir une vision stratégique nationale, hein, c'est-à-dire au-delà de la logique du pognon, et créer des centres de formation qui soient au niveau des centres de formation qu'ont les autres grandes équipes. Sinon, on va, dans trois ans, on sera battu par l'Italie. Et puis surtout, on a de moins en moins envie de regarder le tournoi des six nations, parce que l'équipe de France qui est capable de gagner face à, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était face au Pays de Galles ou à l'Irlande, enfin, deux équipes assez proches et très spectaculaires et très belles à regarder jouer, on mène 16-0 à la fin de la première mi-temps. Parra anime parfaitement, précédencé. Passe, allez, 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 le décalage, il est là pour Louis Piquermol qui repique intérieur, bien servi par Bédard, et le premier essai avec Fofana sur les extérieurs. Ntamak, la transmission est bonne pour Ituria. Ituria qui va transmettre au contact pour Huguet, quel essai magnifique des Bleus. On peut pas perdre normalement, et on perd à la suite du match, parce que l'équipe de France, qui, quand elle joue en sur-régime pour jouer au même niveau que les autres, n'arrive pas à maintenir son niveau de jeu plus de 20 minutes. Et après, ça part dans le n'importe quoi. Ouais, on est sur un avantage d'ailleurs. Avec le jeu au pied de Parc, ça s'est pas très bien joué. Johan Huguet, attention quand même, a bien contrôlé ce ballon. Essai. Terrible boulette. Essai. Terrible boulette là de Johan Huguet qui offre un essai à Georges Nord. Et ce match est complètement relancé en 11 minutes. Il était important ce ballon. Allez, de la vitesse, ça dérange partout. Vamaina qui allonge sa passe. Attention, contre de Giordano. Le contre terrible sur cette passe sautée. Le doublé pour le Grand Norse. Terrible action. Romain Tamak est encore au sol.
C'est-à-dire quand ils veulent jouer comme jouent les autres joueurs, ils explosent parce que ça va trop vite pour eux. Transmission avant d'aller au sol, parce que tout le problème c'est les vitesses de transmission dans le jeu moderne. Hein. Il suffit de regarder. Hein. Ça veut dire passer sur une jambe, passer les bras et transmettre avant d'aller au sol et non pas après aller au sol. Et la précision des passes et la vitesse des passes. Hein. C'est ça qui fait la différence entre le jeu français et le jeu des équipes qui sont au-dessus. C'est la vitesse et la propreté de la transmission. Je suis pas spécialiste de rugby, mais si vous me donnez l'équipe de France à gérer et les centres de formation, je vous garantis qu'en 5 ans, je vous sauve sur le rugby français, tout ça parce que j'ai un cerveau qui fonctionne, que je sais regarder, hein, que ce soit la boxe, le football ou le rugby, c'est pareil. Vous verrez que Soral, quand il s'intéresse à un sujet, il fait le boulot toujours de la même façon. Il décortique et il voit où est le problème. Donc, révolution dans le rugby comme on l'a fait dans le football, et mettre de l'argent, de la stratégie et de la vision stratégique et de la volonté politique et du coup de pied au cul pour sortir d'un certain confort, de certaines prébendes issues du lointain passé, pour créer des centres de formation qui produisent des joueurs au niveau des joueurs de l'hémisphère sud, mais même au niveau des joueurs irlandais et gallois actuels. Hein. Je ne parle même pas des Anglais, parce que les Anglais, c'est un jeu de puissance qui, à la limite, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que quand vous regardez le nombre de licenciés qu'il y a au Pays de Galles ou en Irlande, ils produisent un jeu de bien meilleure qualité que le nôtre, sans passer par la force, mais passer par le talent, hein. C'est-à-dire la vitesse de transmission et la précision de transmission, et qu'on n'est pas capable d'être au même niveau qu'eux au-delà de 20 minutes. Après, on explose. Voilà. Tout ça, c'est une question de formation, de virtuosité, et non pas de puissance musculaire et de gonflette. Hein, parce que ça aussi, ça atteint ses limites. À un moment donné, on a eu une période, effectivement, où la masse musculaire a fait la différence, et c'est le jeu moderne avec du pognon. Puis à un moment donné, c'est toujours une dialectique, hein, vous verrez, revient la virtuosité. Pichotte. Attention. Longo. Qui a passé les bras pour servir Vernet Bassevaldo, le talonneur. Et ça insiste avec Pichotte sur le petit côté. Oh, pour Conte, c'est possible. C'est magnifique. Il a Nyonga et Dominici pour l'aider. Il joue par-dessus pour lui-même. Récupération Corletto. Attention, il y a du gaz. Et il est passé, Nani Corletto. Oh oui, il a des jambes. Les cannes. Oh oui, il a des jambes. Et il a le sens du jeu. Et il a les cannes. Ça se prolonge sur Albacete, Hernandez. À l'extérieur, là-bas, il y a un boulevard pour Felipe Contepomi. Et Aguilla Martín Aramburu. Et c'est des Argentins. L'Argentine s'impose au Parc des Princes sur le score de 34 à 10 en marquant 5 essais. 5 essais. Et vous verrez que les grands joueurs irlandais et gallois en ce moment ne sont pas des super gabarits. Vision stratégique, lecture du jeu, vitesse de transmission. George Adams sees the gap. Oh, he's cleaned through. And he's got support from Thomas Williams. And Thomas Williams will score for Wales. And at the end of a series of bunches, this Welsh side are back in the game. And my goodness, did they need that score right now. D'ailleurs, c'est pareil que dans le foot, hein. On le voit bien, hein. À un moment donné, c'est la précision de l'avant-dernière passe qui fait toute la différence, hein. C'est même plus le dribble, parce que les défenseurs sont hyper balèzes aujourd'hui, c'est le ballon bien transmis, impeccablement transmis. Coming from Adarith, he is the top goal scorer as the ball played in early by. Oh, there's the opening goal for Barcelona. It's an excellent ball played in from the left from Jordi Alba. And Lionel Messi makes no mistake on this occasion. He hits it first time left footed and it's too much for Kepa. C'est à ce niveau-là que ça se joue dans le football. Et vous verrez que ça correspond au rugby, à la transmission précise et rapide du ballon avant d'aller au sol, ou quand on est au sol, de le faire vivre correctement sans perdre de temps. Vous verrez que c'est là où les Français sont très très déficitaires par rapport aux grandes équipes actuelles. Voilà, j'attends les commentaires. Hein. Like scissors, jump, 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 like scissors, jump